Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler de l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Mais avant de parler de Zidane qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Zinedine Zidane au PSG. Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane serait finalement disposé à écouter une future proposition en provenance du Qatar. Alors que les résultats et le style de jeu proposé par Mauricio Pochettino au PSG sont encore loin incroyables chez les observateurs, le nom d'un technicien français est régulièrement suggéré pour le club de la capitale, celui de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, ce dernier aurait jusqu'ici catégoriquement refusé de prendre en considération l'option PSG à en croire les révélations de Foot Mercato. Mais la donne aurait changé pour Zidane. Foot Mercato annonce que la situation aurait évolué et que Zinedine Zidane, après avoir longtemps été réticent, serait disposé à écouter une éventuelle proposition du PSG dans les années à venir. D'ailleurs, en avril 2020, le PSG discutait depuis longtemps avec le conseiller de Zidane, Alain. Une tendance confirmée par Foot Mercato ce vendredi. Reste à savoir si les négociations aboutiront un jour lorsque Mauricio Pochettino aura pris la porte. Une tendance également confirmée par El Nacional et Don Balón, qui assure au cœur que le champion du monde 1998 n'attend plus que l'appel de Nasser Al-Khelaïfi pour faire ses cartons et quitter Madrid pour Paris. Tellement sûr de son choix, il a récemment éconduit de propositions venues de la Première Ligue. La balle est donc désormais dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG. Zidane pourrait signer à Paris dès l'été prochain si tout va bien, car ça chauffe de plus en plus, surtout ces derniers jours. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Zidane, entraîneur du PSG, c'est une bonne idée? J'entends tout en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.